Et aujourd'hui, j'aimerais insister sur l'importance de l'objectif de développement durable 14 qui vise à la conservation et à l'utilisation durable des ressources marines. Le bilan sur cette ODD à l'heure actuelle est plutôt négatif. Les océans continuent de s'acidifier. Le volume de plastique entrant dans l'océan chaque année devrait doubler, voire tripler d'ici 2040. Et en 2020, plus de 30% des stocks de poissons sont surexploités. Des discussions sont en cours sur nombreux de ces sujets, mais il manque encore une mise en œuvre concrète des ambitions affichées. Et par exemple, sur l'ODD 14, une des cibles était d'atteindre 10% de protection des zones côtières et marines d'ici 2020. L'objectif a été partiellement atteint, mais se pose encore la question de l'efficacité des mesures de conservation. Les aires marines protégées peuvent être des outils de conservation efficace, mais il nécessite de mettre en œuvre des moyens humains et financiers nécessaires. Et à l'heure actuelle, 65% des aires marines protégées déclarent ne pas avoir le budget suffisant pour répondre à des besoins de gestion de base. Ces aires marines protégées doivent aussi se fonder sur la science et sur des connaissances traditionnelles des populations locales et autochtones. La France a un devoir d'exemplarité sur ces sujets, mais cela nécessite un investissement politique et financier à la hauteur des ambitions affichées.